Vous n'avez pas soif? Parce que sinon, ce serait peut-être bien de boire un coup. Parce que ça fait un petit moment là que vous travaillez et il fait chaud. Ça allait. Aujourd'hui, il va faire chaud. Dans le champ, ça va. Bien dormi, Ghislaine, bien dormi. Oui, oui. Je t'aime. Moi aussi. Je te laisse te préparer. Ce soir, je donne l'argent de poche. Oui, oui, parce que c'est jeudi. À tout à l'heure pour le petit déjeuner. Voilà, tu as tout ce qu'il faut, on aura bien le temps. On part juste vers 9h15, les deux, tu fais bien, hein, d'accord, Marie? Voilà. Oh oui, oui. Personne adulte, je te demande d'être bien à l'heure, Lila. Je reviens deux fois avant que tu prennes le petit déjeuner, d'accord ?
Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Anne-Marie, je vous cherche. Je suis là. Vous voulez venir avec nous? Oui. En même temps. À côté de moi, voilà. Ah oui, puis il y a le scotch aussi. Bon, d'accord, j'ai compris. Alors, faut en mettre 50, hein. Bon, mais tu remplis la boîte, on va voir ce que ça fait. On met une centaine dedans. Vas-y. 52. 50. Je referme la boîte. Je scotch. Je mets l'étiquette. Je referme un carton. Cinquante. Je reprends la scotch. Le scotch. Il y en a qui ont travaillé à Lyon-Fontaine, il y en a qui ont travaillé à Vinicieux, il y en a qui ont travaillé à Décines. Et puis ici. J'arrête à 11h30. Alors, on va boire un pot. Ah, quitter mes copains, ça va me froisser, mais j'irai les voir, je suis juste à côté, de toute façon. Voilà, c'est la salle où on se repose, en boîte de café, il y a des baby-foot. Et ça, c'est les ouvriers qui ont fait ça, les dessins que vous voyez là. Avec Jean-Paul, on se connaît depuis qu'on a à peu près une vingtaine d'années. Parce que j'étais éducateur dans le foyer où il était au Bogalan, hein, donc c'est pour ça. Donc j'ai suivi son parcours, hein, et t'es arrivé à la Courbesse, je crois, en 78-79. Bon, maintenant, il est temps de partir. C'est pas qu'on veut plus te voir, mais bon, c'est toi qui as fait le choix de te reposer. Hein. Même si c'est pas loin, ça sera en face, tu seras toujours bienvenu. Hein, tu peux venir quand tu veux, mais je te dis pas tous les jours, parce qu'il y en a qui travaillent. Bonne retraite. Merci. Il est beau, il est magnifique, merci. Hein. Merci beaucoup. Je serai juste à côté, je pourrais aller voir. Dans la journée, quand je ne sais pas quoi faire après ma... Si je fais une sieste et tout, ou j'en sais rien, si je sors, j'irai les voir. Parce que je serai juste à côté, c'est pas loin. Hein. J'ai cherché mon équipe, des fois ça m'arrive, ça me tente. On peut regarder les résultats du foot. Le dimanche, des fois, je fais un tour au village. Je vais au truc de l'église, là. Parce que je suis un peu croyant. Tu sais, j'ai fait ma communion quand j'étais petit. Et je suis un peu croyant. Des fois, je vais dans l'église prier comme ça, pour moi. Puis ça m'arrive. Oh, je reste quoi, 5-10 minutes, et puis je ressors. Puis ça m'arrive de penser à quelqu'un, surtout à ma mère adoptive qui m'a élevé à Grésey-la-Varenne. Et puis maintenant, qui est décédée il y a bientôt plus de 10 ans, là, ça me... Des fois, j'y pense. C'est une dame qui m'a nourri depuis mon enfance. Barbecue, tu pourrais faire.
tu peux ça faire. Non, quoi. La saucisse, il fait chaud. Spaghetti carbo. Une sardine. Sardine, hein, monsieur. Il y a combien qui a pris de la salade? Sardine. Tu voudrais bien mettre du jambon? Ouais, un jambon en entrée. Je rajoute quoi? Mettre les saucisses, là, oui. Coupé en deux, là. Les saucisses, dans les, et puis des petits fromages, là, des petits. Des coupes de gruyère, là. Coupé en. Dans la salade. La salade. D'accord. Les gruyères. Tu peux mettre des olives vertes, là. Dedans. Bah aussi. Ben, ça va pas rentrer dans le budget. Hein? À un moment, il faut faire des choix, ça va pas tout rentrer dans le budget. Un petit paquet, hein, pas un gros. Mmh. Je te les mettrai à toi, les olives, Jérôme, parce qu'il va te rester de l'argent. Ok. Pas de problème, merguez, saucisse. Deux jours 29. C'est 2h29. Mais je prends ailleurs, parce que là, si je prends deux, ça va me faire plus. Ça va me faire plus cher. Mais comme les clients, ils ont arraché le petit papier, on va pas mieux acheter le fait. Faut passer la machine. C'est en quel point. Il faut écouter. De quoi? De quoi? Mais pas l'apéro. Mais si, il y en a ce soir. Il y en a. Macro en entrée. Ouais. Boulette de viande. Ouais. Légumes variés. Pas variés. Variés. Et gâteau de semoule. Ah, bah tiens. Ça vous va? Ouais. Ah, c'est bon, ça. C'est impeccable. Ouais, ouais. Ils sont répartis en groupe de 6 à peu près. Donc ils vont chacun dans leur villa. Ils sont 6 ou 7 par villa et puis ils viennent chercher leur... ceux qui ne cuisinent pas viennent chercher tout près. Il m'est arrivé une fois ou deux de me rater, de mettre trop de sel. Il me demande si je suis pas amoureuse. Alors, première fois, ça étonne. J'en dis pourquoi, vous me demandez ça. Oui, ben, c'était salé aujourd'hui, tu devais être amoureuse. Ah, ben, si, c'est cuit, c'est bon. C'est bon, c'est cuit. Ils vont pouvoir venir les chercher. Si c'est pas ça, ce sera autre chose avec vous. Je râle jamais. Ouais, bien sûr. Jamais. Bien sûr. On verra ça demain matin. Mmh. J'avais quoi, toi? Non, je râle jamais, moi aussi. Comme ça. T'es quoi, ça? Sauf quand il faut faire le service. Alors là, je suis pas là. Je suis malade. Quand ouais. Tu veux faire le service, quand il faut se lever le matin, quand il faut partir au travail. Voilà. C'est tout à fait normal. Moi, je suis plutôt monsieur repos. Bah oui, c'est normal. Tout le monde travaille, tout ça. Il faut se poser. Ok. Tout ce que j'ai fait sur ce calendrier de janvier au mois de juin, c'est tous les ronds noirs, c'est les séances de muscles. Je fais 60 alternés biceps debout 8 kg.
cette page-là, c'est le 8, 9, 11, 12 avril 2014. J'ai fait 1 minute de génuflexion le 8, 1 minute de chaise 30 de chaise invisible, 60 dorsaux 8 kg, 4 écorchés vifs à 8 kg, 10 fois 12 abdos, et autrement, tout le reste, c'est depuis des années et des années. Mais vous voyez, la bodybuilding, ça part en arriver là, quoi, à un moment. C'est une chambre que j'ai bientôt quittée, que j'aimais bien, mais bon, on est obligé de partir. Alors. Mais c'est bien, pour être dans du neuf. Hier, j'ai vu mes nouveaux encadrants, on a mangé ensemble le premier repas. Voilà, on a mangé ensemble. Voilà, ils ont l'air sympas. Il y a l'équipe des résidents aussi, il y en a quelques résidents des Châtaigniers, on ne sera pas tout seul là-bas. Il y aura aussi ceux du Bois Galant, du Grand Large. C'est une nouvelle aventure. Donc un matin, je vais rendre mes clés au foyer, à Châtaignier, qu'on me dira. Et je vais aller au sentier le soir, il y aura mes meubles qui seront installés, peut-être que le lit au début, mais il y aura les meubles qui seront installés. J'aurai plus qu'à mettre les cartons, vider les cartons et tout remettre en place, voilà. Alors j'ai beaucoup d'affaires déjà. Enfin j'ai une chambre, mais elle est bien garnie, quoi. J'ai un vélo, j'ai... Et tout le monde s'inquiète dans le foyer pour ce déménagement, mais ça va bien se passer, je pense, le déménagement. Et puis alors, tu es dans quel foyer? Senti. Alors après, tu es senti, mais en ce moment-là. Je suis au Villa. Tu habites ici, au Grand Large, non? Ouais. Et puis, est-ce que tu es toujours à l'ESAT? Pas souvent. Voilà, à mi-temps. Voilà. Et puis l'autre mi-temps, tu es à l'accueil de jour. À l'accueil de jour, là, au Villa aussi. Ah. Tu voudrais dire autre chose? Non. Pour te présenter? Pour le moment? Allez. Allez, la Fabienne. Fabienne, à Talas. Voilà. Vous êtes soutenier. Voilà. Dans quel ESAT? Courbesse. À la Courbesse. Toi, tu vas être à côté. Oui. Toi, ça, c'est votre ESAT, c'est la Courbesse. Puis ça, c'est là où on va habiter. Ça, ça va être bien. Ouais. Tu vois, là, c'est le rez-de-chaussée où il y aura les bureaux des secrétaires, le bureau de la directrice, du chef de service, l'accueil de jour. Mais nous, on va habiter ici, là. Quand tu vas être assenti, tu vas être plus près de la maison quand même. Oui, je vais prendre la maison. Et après, quand tu vas sur les missions avec Maryse, c'est pas très loin non plus. Oui, oui. Bien. Très bien. Mais dis-moi, Eric. Tu fais des chemins. Oui, je fais de la couture, ma grande. J'ai fait du chemin, hein. Et oui, oh oui, tu as bien évolué, Eric. C'est bien. C'est bien. J'ai vie. Tu as bien évolué. Je sais pas. Mais j'ai assez travaillé, je me sens assez travaillé. Il faut laisser la place aux jeunes. Quoi. Et l'âge tu as la même âge. Tu as ta carte, tu as une fou. Alors attends, tu es né en 59. Ouais. Tu as 55 ans. 55 ans. Ouais. Eric, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Un coup de mur. Ah, il n'est pas bien cousu. Il n'est pas bien cousu. Oui. D'accord. Vas-y. Je vais laisser le large. Ah, j'étais voir un film là. Ah oui, il faut que tu me dises lequel que j'avais pas compris. Tiens, un euro. Le petit Nicolas. Voilà, ouais. Oh, t'as dû aimer. Ouais, ça parlait d'une école. Ah ben ça parle aussi de toute une époque, oui, ça t'a plu Jean-Paul? Ouais, ouais. T'as aimé? Il y en a qui ne savaient pas faire leur lit, hein, quand ils sont arrivés vers les 30, 40 ans. Donc même dans les actes du quotidien, même les plus simples. Hein. Couper du pain, des choses comme ça, il y en a qui ne savaient pas. On pourrait faire, nous tout seuls, ça irait plus vite. Ce serait vraiment plus rapide. Et plus efficace, mais c'est pas le but visé, c'est faire avec eux. Il faut qu'ils y participent, c'est important. Tout en respectant bien toutes les individualités, hein, parce que ça, on a toujours travaillé voilà, les c'est deux. C'est dans le cœur de notre travail, oui, hein, parce que oui. Être à la fois sur le groupe et puis. Tout à fait.
et puis de tout ce travail personnel, quoi. Galop 3. Ce samedi, au stade de Lune, a eu lieu la dernière journée de foot à 7 de la Ligue Rhône-Alpes du sport adapté. C'est super bien, on se sent bien parce qu'on est responsable d'un animal. On s'en occupe, on leur donne à manger. C'est comme on avait quelqu'un à soi-même s'occuper. Encouragés par leur coach Tiffany Pertolio, les Vénitiens ont battu Échirol puis Aubenas. L'importance n'est pas le score, mais le plaisir de jouer ensemble. Je ne me rappelais pas, tu vois, de cette photo. Il y en avait partout, partout, des photos, partout. Oh, j'y ai travaillé. Et puis ça a vraiment accroché les résidents. Ah oui. Ils ont été vraiment la preuve, parce qu'ils ouvraient, et puis ils prenaient même entièrement les pages comme ça. Et puis heureusement que je m'en suis rendu compte, que j'ai pu récupérer. Bon, puis on a expliqué qu'il ne fallait pas, les toucher, quoi, les photos, que c'était pour regarder. Je serai aussi la mémoire, les souvenirs, et que c'était à tout le monde. Que c'était à tout le monde. C'est 27 ici et ça fait 18 ans que je suis ici. Et moi, ça fait 100 ans que je suis ici. Non, non. Ça fait 27 ans. Eh, si. Non. 100 ans, t'es malade, toi. Non, c'est la vérité, je te jure. C'est... Non, c'est faux. Allez, allez, filme-nous, là. On le met au mur, monsieur Nestoré ? Non. Non ? Pas monsieur Nestoré. Bah quand même, c'était le papa de Christian Chevalier qui était responsable de l'ADAPI. C'était un jeune monsieur qui voulait que son fils puisse partir de chez ses parents et pas rester tout le temps chez ses parents. Comme tes parents, ils se sont dit, il faut que mon fils ait une vie d'adulte en dehors de la famille, il viendra nous voir quand il veut, etc. Voilà, donc ce monsieur Chevalère avait fait un groupe de parents, et ils ont créé l'ADAPI du Rhône tous ensemble, et ils ont décidé de créer le foyer Le Grand Large. C'était un des premiers foyers comme ça, le premier foyer qui a existé en appartement. C'est celui-là ? Ah, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est le Bois Galant. Donc en un fait, petit c'est, peu avant c'est une personne importante. C'est Gabrielle de Job. Voilà, qui est là aussi. Elle est là devant Jacques aussi. Ah ouais. C'était une dame qui avait vécu toute sa vie, toute son enfance, enfermée à l'hôpital du Vinatier, parce qu'il n'y avait pas de structure pour les personnes comme nos résidents. Ça, c'est Mireille, ça, non ? C'est pas Mireille, ça. Oui, je pense.
Et un jour, quand les nouveaux psychiatres sont arrivés, comme M. Galéa et tout ça, ils ont essayé de faire la part des choses entre les gens qui étaient malades mentaux, qui avaient besoin de rester à l'hôpital psychiatrique, et puis ceux qui pouvaient venir dans les foyers qui étaient ouverts, comme le nôtre. C'était une nouveauté pour ça. Avant, il y avait que les hôpitaux psychiatriques ou la Suisse. Vous n'étiez pas là à cette époque-là? Si, je crois que vous êtes là. Non. Là? T'en as fait du camping? Non, je n'ai jamais fait du camping. Je suis là depuis 1996. Tiens, Christophe, toi qui accueilles des gens qui... Faites voir, Christophe. C'est moi, ouais. Ça... Eh, mais vous aviez la moustache. Ouais, mais avant. Avant. Ficina, peux-tu marquer cette chaussette pour Daniel Bourgoumestre? La dernière chaussette devrait réapparaître. Merci Isabelle. Je vais voir un peu le petit. Isabelle. Allez-y, récupérez les vautins. Ficina est tout préparé. D'accord. Ah, j'ai pas de linge. Ah, bah alors. Bonjour, j'ai pas mis à laver, toi, Gisèle? Si, j'avais mis à laver pour toute journée, moi, Alors, est-ce que tu as quelque chose, toi? Viens voir. Regarde, c'est ça pour toi. J'ai mon métier. Voilà. Merci. Et voilà, tu vas aller manger. Je sais pas. Je sais pas comment je vais faire parce que j'ai pas mon linge. Je suis un peu tendue parce que le soir, je suis tout seule, mais je me sens un peu mieux qu'avant. Mais avant, j'avais très peur de rester tout seul à l'étage. Mais au foyer, ça fait 22 ans que je suis au foyer. Je suis arrivée le 1er septembre 1992. J'ai mis entendre le criquet le soir. Bah, le soir, l'été, je dors les volets entrebâillés. Et l'hiver, je dors la fenêtre fermée, les volets fermés, et j'écoute la musique. Ah, c'est toi qui vas se céder. T'as fait la cuisine ce soir? Non, j'ai bébé pour Ouais, non. Je vais suivre. Ouais, alors. Non, mais t'as tout seul. Merci. 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 Quand on met le vernis, demain je vais vous maquiller et tout, pourquoi? La fête. Le médecin. Bouge encore? Ouais. Allez. Et vous connaissez bien les gens des autres foyers, Malika? Hein? Quel foyer? Du Grand Large et Bois Galant. Ouais. Vous connaissez bien les filles du Bois Galant? Ouais. Ça va être bien senti? Ouais. Ouais? Pourquoi? Eh bien, il y a des douches et WC. Mais il y a des grandes chambres aussi. Ouais. Il y a des terrasses. Ouais, et puis manger dehors. C'est bien ça. Encore marqué encore. Non.
Voilà. Qui c'est que tu veux prendre en photo? Sabrina. Tu vas prendre Sabrina. Elle a dansé. Voilà. Pardon. Très bien de prendre les photos. Bravo. Je suis Malika. Avant, elle n'arrivait pas à le prendre. Oh non. Non, mais elle est sur Malika, là. Je vois ce qu'elle a là. Je me sens chez moi, mais alors super.